un coach étranger à la tête des Bleus, est-ce que ça ferait polémique? J'avais posé un petit sondage. Siani, vous m'avez dit oui, ouais, ça ferait polémique. Si ça se passait en France, là, voilà, c'est qu'un entraîneur étranger déboule et prenne la tête des Bleus, pourquoi ça ferait polémique? Pourquoi ça ferait débat? Ben, parce que je pense que le poste de sélectionneur dans la tête des gens est destiné à un entraîneur français. Ouais. Dans l'histoire de l'équipe de France, ça s'est quasiment jamais vu. Stéphane Kovacs, moi je me souviens des années 73. Qui avait été bien accueilli, je crois. Très bien accueilli. Et je ne suis pas sûre que le foot de sélection soit prêt à ce genre de choses. Alors on l'avait vu en Angleterre, ce n'est pas le premier Tourelle. Moi, je serais plutôt pour. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée d'avoir quelqu'un qui apporte des nouvelles idées, de la fraîcheur. Mais je trouve que voilà, le foot de sélection, on est tellement habitué à avoir un coach français, un sélectionneur français, qu'on aurait du mal l'époque, à sortir. Je ne crois pas du tout. Je n'y crois pas une seule seconde. Si aujourd'hui, les gens, tu leur dis, eh ben, il va y avoir Carlo Ancelotti à la place du Didier Deschamps, mais ils signent dès demain. Si c'est Jurgen Klopp des trois mains. Mais parce qu'ils ont marre de Deschamps actuellement. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quand même le symbole du meilleur entraîneur français. On veut Zidane à la place de Deschamps. Moi, je crois pas du tout. Je crois pas du tout à ce que dit Siani. Je pense qu'aujourd'hui, le public français, il n'a pas un attachement pour les entraîneurs français. Ce n'est pas du tout le même type de culture que la culture anglaise. Et moi, je suis persuadé que si vous avez un entraîneur étranger charismatique qui a gagné des choses et qui est sympa, mais alors franchement, le public, il sera parfaitement d'accord. Les 12 ans de Deschamps, c'est un mandat qui est long. Donc 12 ans, ça permet de laisser penser qu'on peut voir autre chose dans l'esprit du public. C'est aussi une DTN qui est moins forte. Avant, la DTN, elle voulait son précaré, elle voulait absolument mettre un entraîneur issu de la direction technique nationale, donc elle avait toujours son candidat. Aujourd'hui, elle est quand même un peu moins puissante et tout ça. Comme dit Étienne, si vous dites Jurgen Klopp demain, ça l'intéresse, je vois pas un mec de la DTN dire « Ouais, quand même, un entraîneur allemand, il est à Liverpool ». Non, tout le monde dira « Bah oui, si ça l'intéresse, file-lui le poste ». Donc non, je pense que le contexte a vachement changé, Siani, et que c'est pas du tout... c'est pas fait, mais je pense que les mentalités sont peut-être qu'elles sont prêtes, hein, mais je pense que ça passerait pas... Auprès de qui? Oui, c'est ça la question, auprès de qui? Auprès du public, je pense même auprès de la Fédé. Ah bon, je suis pas sûr qu'ils soient prêts tout de suite à faire venir un entraîneur étranger. C'est bankable. Ancelotti, c'est bankable. Écoutez... Peut-être, mais je pense qu'il y a d'autres candidats français qui seraient plus... Le mois prochain, je crois qu'on a Philippe Diallo qui vient ici sur le plateau, on aura une conversation avec lui. Pour l'instant, je prends des questions oratoires. À mon avis, lui aussi. Mais un sélectionneur étranger. Voilà. Et Mémé, je pense même que dans la corporation des entraîneurs français, ça passerait pas super bien. Et si on s'en fichait complètement? Mais non, mais on parlait de faire polémique. Et bien là, je pense que pour le coup, ça passerait très polémique. Un Raymond Domenech, par exemple. Si c'est à l'UNECATEF. Ah non, mais que Raymond soit pas très content. Mais je pense qu'il porte la voix d'une partie d'entraîneurs français. Franchement, j'adore Raymond. J'adore Raymond, mais on s'en remettra. Si le sondage est fait auprès de l'UNECATEF, le syndicat des entraîneurs, là oui, tu as peut-être raison, mais enfin sinon en même temps ils seront dans leur rôle, mais bon, tout le reste du football français, je pense qu'il y aura pas de problème. Un couple qui se déchire, Étienne et Céline ne sont pas d'accord. Quand Virginie, vous avez présenté la presse est divisée, il y a également des consultants qui tirent à boulet rouge, c'est Gary Neville et Jamie Carragher, des stars en tant que chroniqueurs, en tant que consultants. C'est formidable. Ils sont contre. Écoutez, j'étais en train de faire mon métier. Je suis en train de lancer l'élément. Gary Neville et Jamie Carragher. Je suis choqué. Honnêtement, je suis choqué ce soir que l'Angleterre ait choisi Thomas Tuchel. Ça n'a rien à voir avec lui, mais je suis choqué qu'on aille chercher un sélectionneur étranger. C'est embarrassant. J'ai toujours pensé que le sélectionneur de l'Angleterre devait être anglais. Je ne changerai jamais de point de vue. Il pourrait gagner un tournoi, on sera reconnaissant 3 ou 4 ans pour son travail, mais quelque chose en moi me dit que ce n'est pas juste. Ce n'est pas normal que Thomas Tuchel soit le sélectionneur de l'Angleterre. Quand on regarde les entraîneurs anglais, ils ne sont pas légendaires, ils ne sont pas nombreux. Il y avait Eddie Howe, entraîneur de Newcastle, dont on a croisé la route, le Paris Saint-Germain a croisé la route la semaine. Mais il n'y a pas de... Ils font du buzz. Deux des plus grandes légendes de ces dernières années, c'est Alex Ferguson qui est écossais et Arsène Wenger qui est français. Leur entraîneur phare aujourd'hui, c'est Pep Guardiola, il est espagnol. Klopp, il est allemand. Arteta, Unai Emery, il est espagnol. Qu'ils arrêtent de faire la blague. Ils font ça pour faire du buzz, c'est pas possible. Ok. Ils sont pas sérieux. Disons que leur métier, c'est la polémique. On sait un petit peu ce que c'est, on en fait parfois un petit peu aussi, mais pas à ce point-là. Dans ce football mondialisé, je comprends vos arguments, mais
Écoute, moi, quand je rentre dans un restaurant quand même chinois, je préfère voir le cuisinier chinois que péruvien. Mmh. Maintenant, si les nems sont meilleurs avec le péruvien, j'accepte. L'analogie me paraît assez douteuse et assez étonnante. Pas douteuse. Ça veut dire que il n'y a pas des Français qui peuvent, il n'y a aucun Français, il n'y a aucun, ils sont tous nuls. Parce que si je t'entends... Peut-être pour faire de la cuisine chinoise, mais je ne vois pas le rapport que ça. Le football, il est a priori mondial. Il est mondial, sauf que tu es en train de me dire, et je lis aussi des articles à droite à gauche qu'il faut réguler... J'espère que si tu lis l'équipe, tu ne le lis pas gratuit chez... Non, mais l'arrêt Bosman, on est en train de dire, il y a plus, quand il a fait péter libre circulation des joueurs, ça dérégule d'autres... Il n'y a plus de Français à une époque, il n'y avait plus de nationaux en Angleterre que des étrangers. On sait pas. Qu'aujourd'hui, la liberté, la circulation, là, vous me parlez, c'est vous qui me parlez ça, parce que moi, je suis plutôt très libéral. Mais on sait pas ce que tu veux dire, en fait, la vérité, Eric. Il faut resserrer l'argent, les compétitions, on va parler tout à l'heure. Ouais. Il y en a trop. Quel rapport, ça Tu veux mettre en anglais? C'est qu'à un moment donné, tu dois quand même défendre la priorité nationale, à minimum. Oui, mais toi, tu vas... On va pas parler de politique. Pour moi, il n'y a que des buses. On a du mal à suivre, Eric, pour être honnête. Non, il n'y a que des buses pour vous au niveau des entraîneurs français. Il n'y en a pas un. D'ailleurs, ils n'ont pas le niveau de Klopp, ils ne sont pas au niveau d'Ancelotti. Les Anglais, les entraîneurs anglais. Non, tu déformes. Tu déformes ce qu'on dit. Dominique et moi, si tu... Étienne a dit... On ne comprend rien, toi, à ce que tu racontes. Non, mais Dominique et moi, on a à peu près compris ce qu'on voulait dire. Ce qu'on a dit, c'est que si c'est Klopp ou Ancelotti qui sont proposés au public français, ils ne seront pas contre. Pourquoi tu n'as pas cité au moins avant Zidane? Parce que c'était le débat. Ça veut dire que déjà, il y en a un qui est avant les deux que tu viens de me dire. Mais le débat, donc tu les cites. Le débat, il n'était pas sûr. Est-ce que Zidane doit remplacer Deschamps? La France de Zidane, 98% de la France de Zidane, on est d'accord là-dessus. Cite-le. Eric, c'est bon. Tu vas trop loin. On n'a pas compris ce que tu dis. C'était parfois. Eric, je suis obligé de vous avertir. Simplement, en plus, pour enchaîner. Non, et on va parler d'un joueur que vous détestez. On va parler maintenant d'un joueur que vous détestez, Eric, c'est Lionel Messi. Il a été étincelant l'année dernière avec sa sélection l'Argentine. Quelques nouvelles du géant argentin. Victoire écrasante contre la Bolivie la nuit dernière, 6-0, un triplé plus deux passes décisives de la Pulga qui a fait le show.